Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Eritor. En tout cas, ce mois-là, je ne suis pas trop actif parce que franchement, niveau santé, c'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça. C'est pourquoi je suis un peu en sombrelle, comme le disent certains Ivoiriens. Je ne me sens pas trop en pleine forme. Mais Dieu fait grâce, je suis toujours sur pied et il me fera la grâce de voir 2021. Et je prie que Dieu accorde la grâce à tous mes abonnés et à toutes ces personnes qui me suivent, même sans s'abonner, de voir 2021 en pleine santé. C'est très important. Cette vidéo-là, c'est pour parler des Bordeaux et des Ibawan. Oui, on me dit Ibawan, Ibawan. Oui, oh, je m'en fous. On arrête là. Je m'en fous. Voilà, Ibawan toujours, Ibawan aujourd'hui, Ibawan demain. Aujourd'hui, il y a un gros concert au niveau de Kai. On va en parler. Voilà, on va en parler parce que Ibawan promet du feu. Il promet du lourd. Parlez aussi des Bordeaux Likoufa. Vous donnez certaines nouvelles des Bordeaux Likoufa parce que apparemment, des Bordeaux Likoufa est très réclamé sur la toile. Étonnant, mais vrai. C'est des Bordeaux Likoufa. On se prend juste après le générique. Voilà. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Voilà, bon retour les gars, bon retour. Ouais, je sais que vous avez remarqué quelque chose juste après mon générique. Une belle petite dame, ne vous inquiétez pas. C'est pas la femme d'Eritor, c'est sa petite sœur. Elle s'appelle Kramo Estelle Nadege. Voilà, elle a besoin de vous, chers abonnés. Voilà, elle a besoin de vous, elle a besoin des abonnés de son grand frère parce qu'elle participe à un concours Miss 2.0. Donc, bien avant qu'on parle de Desbordeaux Likoufa, bien avant qu'on parle du gros concert à Kai aujourd'hui, de l'artiste Ibawan, prenez un petit temps. Regardez dans la description, il y a le lien, j'ai dit, votez ma petite soeur ici. Cliquez sur le lien, allez la voter. Vous pouvez la voter chaque une heure. Faites ça pour moi, parce qu'elle a confiance en vous. Elle a vu que j'ai fait la promotion de certains artistes ici, qui s'en sortent pas mal. Donc, elle se dit que si elle me sollicite en tant que grand frère, c'est que elle peut gagner ce concours-là. Donc, j'invite tous mes abonnés à aller la voter. Je vous parle rapidement de ce concours, en fait. D'abord, ce que vous devez savoir, ma petite soeur que vous voyez là, elle en a beaucoup dans sa tête. Voilà, elle est en master de mathématiques et informatique. Voilà, master en mathématiques et informatique. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une petite tête en l'air. Si elle sollicite notre aide, c'est qu'on a le devoir, voilà, on a l'obligation pour une fille qui a la tête sur les épaules de la voter. Voilà, donc je vous prie de la voter. Le concours Miss 2.0 est un concours qui cherche à promouvoir l'intellect de la gente féminine. Vous comprenez un peu? Et puis surtout de l'entrepreneuriat féminin. Voilà, bah, tout ce que vous voyez, à part ces histoires de master informatique et mathématiques, elle a un gros talent. Voilà, elle a un gros talent. Elle est un génie dans les confections de perruques. Voilà, elle a d'autres talents, mais c'est ce qu'elle a mis en avant ici. Donc, je vous prie de la voter parce qu'elle est à l'avant-dernière étape. Après, je vais vous solliciter pour les votes SMS. Voilà, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir toutes les informations là-bas. Vous allez même voir une de ses vidéos où elle parle un peu de ses talents. Donc, dans mes prochaines vidéos, je ne vais pas donner tous ces détails-là. Je vais juste vous demander humblement, comme je sais compter sur vous, d'aller la voter massivement. Son lien sera épinglé dans ma description. Vous dépliez la description, vous cliquez sur le lien et vous votez. Vous pouvez voter chaque une heure. Voilà. Le lien sera là pendant au moins une semaine. Je compte vraiment sur vous. Allez la voter. Montrez la magie. Montrez que quand tu passes par Eritor, surtout son grand frère, il y a toujours résultat. Bref, j'ai été un peu long, mais excusez-moi. Hein, ne vous fâchez pas. Avant qu'on parle des Bordeaux Likoufa, parlons un peu de Ibawan. En fait, population de Kai, moi-même je sais que le stade de Kai va se casser. Ça, j'en ai la ferme conviction. Voilà, parce que c'est Ibawan. Les habitants de Kai ont eu un peu le gourmet de ce qui s'est passé au stade du 26 mars. Plus de 70 000 fans réunis. Il est le seul artiste malien pour le moment qui arrive à le faire. Et même l'artiste international qui arrive à le faire. Il faut respecter Ibawan, c'est une légende vivante. C'est pas n'importe qui. Je sais pourquoi je le suis. C'est vrai qu'il est super talentueux, mais il est très humain. Waouh, il est très humain et très humble. Moi, j'adore les personnes qui sont très humbles. Parce que quand tu es un peu de ta personne, ça finit par te rattraper tôt ou tard. Ibawan vous réserve du lourd. Il dit que ça sera la magie. Il va chanter à l'unisson avec vous. Voilà, il va chanter à l'unisson avec vous. Et je sais
au début de ma vidéo, vous avez vu quelque chose, voilà, que je vais partager dans ma communauté YouTube. Les CD sont disponibles partout. Donc, population des Kai, comme le morceau, pour ne pas dire, excusez-moi, le concert est pour ce soir, vous pouvez continuer à acheter l'album pour chanter à l'unisson, parce que franchement, l'artiste Ibawan vous promet du balèze. Voilà, ce sera du jamais vu, ça sera inoubliable. Ne vous faites pas compter cet événement-là, parce que vous avez bien vu ce qui s'est passé au stade 26 mars de Bamako. Voilà, il a décidé de se déplacer encore, puisque c'est un natif de Kai, puisque Kai, c'est sa ville. Il invite toute la population de Kai, pas seulement les gladiats. Voilà, parce qu'il paraît qu'à Kai, toute la population de Kai est fan d'Ibawan. Donc imaginez un peu ce qui va se passer au concert de Kai ce soir. C'est pour ce 20 novembre-là. Voilà, c'est vrai que j'étais un peu muet ces derniers temps, mais ne pensez pas que je peux lâcher Ibawan. Non, c'est pour la vie. C'est vraiment, vraiment pour la vie. Donc j'invite toute la population de Kai, tous les gladiats, sortez massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter l'album, le double album Mon Empire, qui se comporte très bien. On a grondé l'artiste, il a mis les CD partout dans le monde. Voilà, il a publié ça sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Vous avez les contacts, vous pouvez vous procurer l'album sans souci. En tout cas, il vous réserve plein de surprises. Voilà, donc chez Gladia, vous connaissez, hein, on ne met jamais la honte sur Ibawan. Et quand Irito parle, on ne met jamais la honte sur Irito. Parce que Irito ne se mélange pas à n'importe quoi. Voilà, donc population de Kai, rendez-vous ce soir au stade de Kai. Cassez le stade, voilà, effrayez un peu la concurrence. Est-ce qu'il y a de la concurrence encore pour Ibawan au Mali? Bon, je n'ai pas envie de faire des frustrés, mais j'en vois pas. Bref, on va parler maintenant de Debordoli Koufa. Debordoli Koufa, artiste unique. Bizarre, mais il est unique. C'est le seul artiste ivoirien. Lorsqu'il ne parle pas, lorsqu'on ne le voit pas, la toile est en ébullition. Voilà, apparemment toute la toile réclame Debordoli Koufa. Oui, le mimi, tu nous manques. Mais en fait, je viens faire cette vidéo là pour leur dire que tu vas très bien. Tu vas superbement bien. Tu es en pleine santé. C'est juste un répit pour revenir en force. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Ne vous en faites pas, Debordo est en train de préparer de grosses surprises pour vous. Voilà, il n'est pas malade, rassurez-vous. Il va très bien, il est en France, il se repose. Et puis comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, il n'a pas supporté tout ce qui se passait dans son pays lors de la période électorale. Voilà, donc c'est ce qui l'a un peu affecté. C'est pourquoi vous voyez qu'il est un peu muet. Mais pour nous qui avons son contact, pour nous qui sommes en contact avec lui, il va très bien. Voilà, le moral, il est là. C'est vrai que la situation sociopolitique l'a un peu affecté, mais il va bien, il n'est pas malade. C'est la pleine forme. Donc, bientôt, il reviendra. Voilà. Veuillez patienter un peu quelques jours encore. Voilà. Maximum un mois. Vous allez entendre Debordo. Et puis, vous allez entendre très bien. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, quand vous voyez un artiste comme Debordo qui est réclamé par ses collègues artistes, c'est pour vous montrer combien de fois il impacte la musique ivoirienne et il impacte les mélomanes ivoiriens. Voilà. C'est pas que la Côte d'Ivoire, tout le monde entier réclame Debordo les Koufa parce que c'est l'une des dignes héritiers du coupé décalé. Voilà. Tous les artistes coupés décalés sont très talentueux, mais il est unique en son genre. Il est vraiment unique en son genre. Et vous voyez que beaucoup de personnes s'inquiètent. Moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous rassurer. C'est pour vous dire que Dieu fait grâce. En tout cas, Debordo va superbement bien. Vous n'avez pas à vous en faire. Il reviendra bientôt et il arrive avec de gros projets. De gros, gros projets qui vont vous faire plaisir. Ne vous embrouillez pas. Ne vous inquiétez pas. Debordo va hyperbement bien. Voilà. Et puis, par cette vidéo-là, j'invite encore des personnes à lui accorder beaucoup de respect. Vous pouvez le négliger aujourd'hui, mais quand il va, je touche du bois, chose qui ne va pas arriver maintenant, casser sa pipe, là vous allez voir que vous aviez un monstre musical, vous avez un phénomène que vous n'avez pas su gérer. En tout cas, Debordo, tu as vu un peu que le peuple ivoirien t'aime. On t'aime énormément. Et moi, comme beaucoup de tes fans s'inquiétaient et ça touchait même tes collègues artistes, je fais cette vidéo-là simplement pour les rassurer, pour leur dire qu'il va bien. Voilà, ne vous inquiétez pas, il arrive. Dans pas longtemps même, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre, voilà. Parce que vous savez que désormais, il a envie de chanter non-stop. Donc, il est en train de se perfectionner dans l'arrangement. Donc, vous n'allez pas regretter ce silence-là. Sinon, il va bien. Il va très, très bien. Donc, c'était l'info que j'avais à donner sur Debordoli Koufa. Soyez rassurés, Debordoli Koufa va très bien. Il est en France, il est au calme, il va bien, il mange bien. Il va à ses occupations, il signe ses contrats. Et puis, il est en train de faire aussi son album. Donc, vous ne serez pas dessus. Il va venir mettre bim dans le showbiz ivoirien, dans ce coupé décalé là. C'était votre MCVT Rito. N'oubliez pas de voter ma petite soeur. Son lien est dans la description. Ciao, ciao.